C'était un duel de milieu de tableau, lance-Marseille. Euh, Lance retrouve son rang de prétendant à l'Europe. Marseille continue de végéter dans le ventre mou de, de la Ligue 1. Est-ce que c'est tout simplement logique Vous l'aviez un peu vu venir hier sur mm -hmm. la finale mondiale Sport-Neimanian. Oui, c'est logique. C'est une équipe qui est inquiétante parce qu'elle a un secteur offensif qui ne fonctionne pas. Euh, que ce soit. Alors, Aubameyang, Mayang je mets entre parenthèses parce qu'il revient de blessure il a été dangereux hier. Mais on se rend compte que euh, je ne prends pas le match d'hier globalement. Je, euh, uniquement, je prends sur la globalité. Ça, et ça ne fonctionne pas. Que ce qui était très bon l'année dernière, le milieu de terrain, Rongier-Verretou, en plus de la blessure de Rongier, ça ne fonctionne pas. Kondogbia, pour moi, ce n'est pas vraiment une réussite. Et derrière, euh, ça prend plus de buts que la saison dernière. Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète également c'est que la saison dernière, Marseille a fait le gros de ses points. À l'extérieur, il y avait des difficultés au vélodrome, c'était le cas sous Tudor, c'était le cas sous San mais à l'extérieur, Marseille faisait quasiment carton plein. Vous savez combien ils sont Marseille cette saison à l'extérieur dernier C'est une équipe qui ne prend pas de points à l'extérieur, qui a du mal à gagner à domicile, qui quand elle a des, des concurrents directs, elle a pris une tarte contre Paris, elle perd le match d'hier. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'elle elle a déjà changé d'entraîneur. Elle a déjà raté son parcours européen avec ce qui s'est passé contre le Panathinaikos, même si en Ligue Europa, ça va pas mal. Elle a déjà changé d'entraîneur. Elle va perdre trois joueurs majeurs à la Cannes. Donc je vois les problèmes s'accumuler. À l'heure où on se parle, je vois pas trop les solutions. Donc moi, ça m'inquiète beaucoup, Marseille. Alors, elle a changé d'entraîneur dans un contexte un petit peu spécial. Ce n'est pas un changement, on va dire, totalement habituel. Ce serait trop long de d'y revenir. Marc Libra, le marseillais, évidemment, c'est à vous qu'on a envie de poser la question. Est-ce que c'est grave Docteur, ce qui se passe sur la canebière. Est-ce qu'à euh, force de se concentrer sur les problèmes de l'Olympique lyonnais, on n'a pas oublié les problèmes ou, ou minoré les problèmes de l'Olympique de Marseille bah, Les problèmes de l'Olympique de Marseille, ils, se sont, euh, ils ont démarré le soir du Panathinaïco, c'est-à-dire que quand il y a Alors passé le, 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 tour le tour préliminaire de Ligue des Champions, de il faut penser que la plupart des joueurs se sont investis, les entraîneurs, les dirigeants ont calqué sur une Ligue des Champions, ce qui est une connerie monumentale parce que dans les termes, il y avait quand même deux matchs à jouer, enfin, il y avait quatre matchs. À jouer en aller-retour. Et à partir de là, la saison pour moi est, est, est finie. Un entraîneur qui s'en va, un autre qui arrive, on ne comprend pas très bien pourquoi. Et puis des joueurs, ils se sont trompés. On peut citer les meilleurs joueurs de la saison passée, ils ne sont plus dans le club. C'est-à-dire qu'il faudra m'expliquer à quel moment on a une ossature, on a des joueurs importants, outre Chancel et Mbemba, que l'on retrouve à peu près, qui revient bien. Parce qu'il a marqué en Coupe d'Europe, euh, les, les joueurs par ligne. Donc là, l'OM paierait, si je vous suis, non, enfin, euh, il, il péré il, il un, mercato, mercato, un mercato de Longoria qui, pour moi, euh, détruit les effectifs chaque saison pour faire du trading. Et ça ne marche pas à tous les coups. Ça a marché sur deux saisons. Oh, C'est magnifique. C'est-à-dire que la plupart des entraîneurs quittent le club au bout d'un an, ne démissionnent pas. Enfin, ils démissionnent, ils, on ne les met pas dehors. Ils se disent, bon, s'il vous plaît, je peux partir Non, mais on en bah, rigole. c'était pratiquement ça. Libérez-moi, s'il vous Mais sans, Oli, ça. Ça. sans Paoli, Paoli c'est pareil. Je veux partir, vous pouvez me laisser partir. Ah, tu veux partir eh ben, tu Non, mais c'est pas possible. -dire que Quand on est à Marseille, quand on voit la ferveur, parce que 1 a été troisième, 1 a été deuxième, enfin deuxième et troisième, on se dit, il bah, y a un truc à faire. Non, non, je préfère partir. Bah, ils l'ont senti. Donc euh, aujourd'hui, c'est plus qu'un problème pour l'Olympique de Marseille. Il faut commencer et... à penser parce qu'ils sont quand même à deux points du 16e, c'est ça Il ouais, ouais, -ce rend... faut, faut être très sérieux. Est-ce qu'on se rend compte que l'OM a été éliminé en Ligue des Champions et dernier à l'extérieur, a changé d'entraîneur, a un président qui a fait une interview en larmes parce qu'il a été menacé par des supporters L'incident, un match reporté contre Lyon parce qu'il y a eu l'incident. On est au mois de novembre, les amis. Complètement. Marseille, as l'impression que la saison, as l'impression d'être au mois de mai, en réalité, au mois de novembre. Bruno Constant, vous en pensez quoi de cette crise marseillaise Elle est profonde. Il y a des possibilités de rebond. Faut à nouveau changer d'entraîneur. Faut à nouveau changer la moitié de l'effectif. Je, je sais pas parce que euh, moi, je trouve c'est difficile à analyser parce qu'en Ligue Europa, ils sont plutôt pas mal. Ils sont voilà. euh, deuxièmes de leur groupe, ils font des victoires à l'AEK, ils gagnent contre l'Ajax, ils font des matchs. Non, mais il se, passe match, il se passe des choses quand même. Le match contre l'AEK, il est quand même plutôt maîtrisé. Et tu passes de ce match-là à un match à Lens, qui était compliqué, où il ne montre absolument rien. Alors, est-ce que c'est la fatigue Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont fatiguées, beaucoup de blessures. On arrive dans le mois de novembre, qui est la période la plus compliquée. Est-ce que c'est parce que l'entraîneur n'est pas au niveau en même temps, il vient d'arriver. Est-ce qu'on faut lui laisser plus de temps Moi, ça me fait marrer parce qu'à l'époque on critiquait Marcelino parce qu'il n'y avait pas de jeu, parce qu'on s'ennuyait, mais il y avait des résultats. Donc on a voulu tout changer, on a tout changé. Aujourd'hui, on a Gattuso qui, est, qui est une... Non, mais il n'y a pas une... que des explications sportives sur le jeu. Marcelino il est, il, est, quand même. il est un peu parti parce qu'il y a une contestation ben, des supporters et, et, et sur la politique non, de Longoria. Non, mais avant euh, qu'est-ce qui a amené à cette y a quelque critique Qu'est-ce a l'explosion le C'est parce que les supporters ne, ne pouvaient plus se moquer déjà de Marcelino, on ne pouvait plus de son jeu. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'ébullition et qu'il y a eu l'explosion. C'est les résultats quoi. Mais ça c'est pas juste qu'il y l'élimination contre le Panathinaikos. Moi, je veux bien qu'il y ait des résultats en début de saison quand tu bats le Havre ou quand tu bats Brest ou je que tu veux l'élimination contre le Panathinaikos et en plus de ça C'était un révélateur, c'est ça c'est fini, c'est fini. C'est je veux pas dire c'est fini c'est le lot des clubs français du troisième peloton voilà si vous finissez votre saison. est éliminé par le qu'est-ce qu'ils ont fait Monaco Est-ce qu'ils ont fait est-ce qu'ils ont fait le podium à chaque fois Non, ils ont traîné leur âme en peine pendant c'est c'est le lot du troisième mais, de, de Ligue 1, il est comme ça, il a, il a mais, un début de saison compliqué. Mais tu sais qu'en France, on s'enflamme. Si ne passe on pas le pas mois d'août que... avec cette qualification, oui ça devient compliqué. Eh ben on pense ça ne que... veut pas dire qu'après, ça ne va pas se redresser. Mais, bon. mais effectivement, et après, on en revient au recrutement, là, le problème de continuité, et puis surtout le profil des joueurs qui sont Souvenez-vous ce qu'on disait quand même du, du recrutement de l'OM au mois d'août. On disait, tout le monde disait, ah, sur le papier, c'est intéressant, c'est beau, ça, Aubameyang, etc. Ismail Essar, il jouait où Il jouait en D2 anglaise. Voilà, India, il jouait où jamais dit que c'était le meilleur joueur d'un club de D2, des, club de D2 anglaise. Euh, Aubameyang, ouais. il était où Il était remplaçant du 12e de Première Ligue. C'est ça en fait la Bien réalité sûr. de l'OM. Ils ont pris des joueurs qui étaient qui n'étaient pas au niveau la, la, la saison passée. On a fait vos poubelles, c'est ça du côté de la de On a fait les poubelles J'ai pas, pas dit ça hein. du football anglais. J'ai pas dit ça, mais on récolte le recrutement qui au final c'est moyen finalement. Et l'OM n'a plus au milieu de tableau que 6 points d'avance. Sur la lanterne rouge du championnat, à savoir l'Olympique Lyonnais qui a enfin gagné un match. L'Olympique de Marseille est inquiétant, les amis. Marseille est vraiment inquiétant et on va essayer d'en parler. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Marseille, les amis. Avant de commencer, si tu me découvres de travers va traverser cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est pas par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, Marseille a encore perdu contre Lance. Et actuellement, Marseille se trouve 10ème de Ligue 1 avec 11 points de retard sur le podium, c'est-à-dire la 3 place sur Monaco. 11 points de retard. Ils ont 13 points et 6 petits points sur Lyon, qui est dernier du championnat. Et du coup, on se retrouve sur Marseille. Est-ce que Marseille va jouer l'Europe ou Marseille va jouer euh, la moitié du tableau. Moi, je penche plutôt sur la deuxième option. Marseille, pour moi, ils ne vont pas jouer l'Europe. Ils ne vont pas jouer l'Europe parce que lorsque je vois l'effectif sur le papier, ça, l'air intéressant, mais ce sont des joueurs qui sont en fin de carrière ou des joueurs qui n'ont plus le rendement espéré. Lorsque, moi, le premier, lorsque j'ai vu le recrutement de Marseille, lorsque j'ai vu les Condombia, les Aubameyang, les Ismail Assa, et j'en passe, J'étais les premières personnes à être optimiste pour Marseille en disant que non, ils peuvent titiller le PSG. Mais forcé de constater que ça ne prend pas. C'est très mauvais, pour ne pas dire catastrophique. Parce que lorsque tu t'appelles Marseille avec le budget, avec les jours, avec l'effectif, avec tout ce que tu veux, c'est inadmissible que Marseille se retrouve dixième actuellement, dixième de Ligue 1. Et surtout, ils sont à 11 points de Monaco. 11 points. On a quoi Troisième donc 11 points du podium. On ne parle même pas de la première place, etc. On parle du podium. La troisième place, signe qualificatif de la LDC, la Ligue des Champions. Et pour l'instant, Marseille est 10 à 11 points. C'est vraiment inquiétant. Dans le jeu, ce n'est pas trop ça. C'est le premier match de Gattuso avec Marseille. C'était intéressant. On a vu de très belles choses, mais... Depuis ce match, j'ai l'impression que Marseille retombe dans ses travers. Marseille n'arrive plus à, à produire du jeu. Marseille n'arrive plus vraiment à concrétiser ses occasions. C'est en Ligue Europa, ça passe plus ou moins, mais en Ligue 1, ça coince beaucoup. beaucoup. Est-ce que c'est le fait que Marseille joue sur les deux tableaux Moi, je ne pense pas. Moi, je pense qu'il y a vraiment un problème au niveau du fond du jeu. On ne sait pas trop ce que veut mettre en place Gattuso. Quand Gatouzou est arrivé déjà à sœur, moi j'étais le premier sceptique. Hein. J'étais vraiment le premier sceptique. Moi je n'y croyais pas trop en Gatouzou. Parce que Gatouzou, les amis, partout là où il est passé, c'était un flop. C'était un flop total. Il était à Naples, c'était un flop à Valence. Il a fallu, il a fallu autant pour moi. Il a failli amener Valence en deuxième division. Il a failli amener Valence en deuxième division. On a limogé. Donc, à tous, moi, je ne suis pas... Il ne m'a pas rassuré dès le départ. En plus de cela, tu as des avances sans trucs qui n'arrivent pas à marquer des buts. Je pense à Pierre-Emerick Aubameyang qui est vraiment en dedans. Est-ce que c'est parce que l'équipe ne joue pas pour lui? Est-ce que c'est parce qu'il n'en reçoit pas assez de ballons? Moi, Aubameyang, franchement, il tarde à retrouver son niveau. Ensuite, tu as des joueurs comme Ismail Assar, qui ne sont pas au niveau. Bref, c'est quasiment tout l'équipe de Marseille qui n'est pas au niveau. Bizarrement, est-ce que c'est le coach qui ne met pas en place le bon schéma tactique Est-ce que c'est la faute des joueurs Est-ce que c'est la faute des dirigeants À ce moment, on se pose toutes les questions possibles. Est-ce que c'est la faute des dirigeants Moi, j'ai un doute. J'ai un doute parce que le président de Marseille, il, semble, il a envie de bien faire, je pense. Lorsque tu ramènes Gatouzou, lui s'est dit, lorsqu'il va ramener Gatouzou, Gatouzou, c'est un mec qui a l'ADN de Marseille, c'est-à-dire l'ambiance, le show, etc. C'est un mec qui correspond plus au profit de Marseille. Donc, lorsqu'il ramène Gatouzou, il s'est dit, ça va coller avec le profil de Marseille. Sauf que pour l'instant, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Marseille, actuellement, ils sont 10e à 11 points de Monaco et surtout à 6 points de Lyon. Qui est la lanterne rouge, qui est dernier du championnat. Donc, à un moment donné, moi je pense que le podium déjà c'est mort. Je ne vois pas Marseille remonter 11 points. Déjà c'est mort pour le podium. La saison de Marseille est quasiment terminée. Parce que s'ils ne joue plus le podium, s'ils ne joue pour le maintien, ils vont jouer le ventre mou. Est-ce que Marseille est programmé pour jouer le ventre mou Donc, partage-moi ton sentiment en commentaire sur Marseille. Est-ce que tu penses que Marseille peut encore remonter 11 points sur Monaco Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de pour ne rien remarquer de prochaines vidéos. Sinon, sont à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.